La salle Kodjo est bouclée du palais de la culture Bernard Bellin Dadié d'Abidjan Trècheville était en ébullition dans la soirée du samedi 27 novembre 2021. Six artistes musiciennes y ont mis l'ambiance à l'occasion du concert de clôture de la cinquième édition du festival Afrikimousso, des artistes ivoiriennes et leurs collègues de la sous-région ouest-africaine. Il s'agit de Malika Laslamazon du Burkina Faso, Shadia du Sénégal, Fifame du Bénin et de Aïcha Traoré. Fatoumata Soro et Léry Sankofa de la Côte d'Ivoire. Elles ont chauffé cette salle de 605 places et les spectateurs venus pour l'occasion. Chaque artiste a exécuté au moins 4 chansons de son répertoire, des titres pouvant se rapprocher du thème de l'édition 2021 du festival, à savoir violence faite aux femmes, le viol, causes et conséquences. Mélomanes et membres de l'organisation ont apprécié le spectacle. Ce soir, on est venu célébrer la femme africaine. Nous sommes à la cinquième édition d'Afrikimousso. Et pour la première fois, le Sénégal est représenté par l'artiste qu'on appelle Shadia. Et donc, on est venu l'encourager et en même temps assister à la soirée qui est déjà très belle. Je suis très, très vraiment heureuse d'être là. Je ne regrette pas d'être venue. C'est des talents purs qu'on a en Afrique. Vraiment, Dieu merci, je leur souhaite un succès total. Et vraiment. C'est avec fierté, avec une très grande joie que je me retrouve aujourd'hui à participer à ce festival. Un festival qui réunit toutes les femmes, qui réunit aussi les hommes qu'on a, voilà, qu'on a invités, qu'on a conviés, pour qu'ils viennent écouter, pour qu'ils viennent voir combien la femme est belle, combien la femme est intelligente, combien la femme est magnifiée et doit être magnifiée. Certaines artistes se sont également prononcées sur l'événement avant de monter sur le podium. Et c'est un réel plaisir pour moi de savoir qu'aujourd'hui, à Afrikimousso, nous allons valoriser pas seulement la culture, mais nous nous battons pour un combat. Et le thème, vous le savez, c'est violence faite aux femmes. Donc, c'est un réel, réel, réel plaisir pour nous. C'est ma manière à moi de promouvoir encore la culture africaine, de rehausser encore l'image de la gente féminine. Voilà, donc c'est un plaisir pour moi. Les lampions se sont donc éteints sur la cinquième édition du festival Afrikimousso, un événement organisé par l'ONG Abidjan Festival en collaboration avec le Palais de la Culture Bernard Bellin Dadié de Trècheville. Rendez-vous est pris donc pour 2022 pour la sixième édition.